Frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté. Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présenterai. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, c'est vrai. Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement! Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi!